Un, deux. Bonjour, bonjour frères et sœurs. Bonjour tout le monde. Je vous invite à prendre votre place. Vous êtes prêts à louer le Seigneur ce matin? Ah, c'est une joie d'être ensemble encore ce matin, non? Mais qu'on puisse se lever, hein, venir dans la présence du Seigneur avec joie, avec reconnaissance. Même si la semaine, c'était un peu difficile, un peu dur pour tout le monde, non? Mais nous avons cette grâce encore de pouvoir être dans sa présence ce matin. Nous avons la grâce de pouvoir être dans la présence du Seigneur et de pouvoir s'approcher de lui, de pouvoir le chercher, de pouvoir le louer et aussi de pouvoir entendre de sa part tout ce qu'il a pour nous. Amen. Et nous réalisons, frères et sœurs, combien nous avons besoin vraiment de la grâce du Seigneur chaque jour dans nos vies. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, nous sommes rien. Non? Nous sommes encore faibles. Nous sommes dans ce corps qui, malheureusement, de plus en plus, ça prend une autre direction qu'on ne veut pas. Mais ce qu'il veut, c'est que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. La parole de Dieu nous dit, même si notre être extérieur se détruise, mais notre être intérieur se renouvelle jour après jour. Afin que nous puissions glorifier le Seigneur. Afin que nous puissions lui donner toute la gloire. Parce que notre passage ici-bas, frères et sœurs, c'est pour quelque temps. Non? Que vous voulez, que vous ne voulez pas, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est pour un temps. Mais le peu de temps qui nous reste, frères et sœurs, allons vraiment mettre cette confiance dans le Seigneur pour que le Seigneur continue à faire ce qu'il a besoin de faire, de nous changer, de nous transformer, de nous emmener à rentrer dans ce repos, dans cette joie de pouvoir le glorifier, le louer. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans la présence d'un Dieu vivant, amen. Un Dieu qui nous connaît, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous n'avons pas décidé, nous n'avons pas fait ce choix ce matin. Mais c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a emmenés ici. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous, frères et sœurs. Ne regardons pas les choses ici-bas, mais fixons nos regards sur lui. Attendons ce qu'il attend de nous. Qu'on soit ces hommes et ces femmes remplis de l'esprit, être dans la joie et pour pouvoir le glorifier. Notre Dieu est bon, frères et sœurs. Il nous connaît plus que tout. Il est notre bon berger. Il veut prendre soin de chacun de nous. Il veut nous équiper, frères et sœurs, afin que son nom soit glorifié. Ce matin, frères et sœurs, levons-nous dans la foi. Approchons-nous avec foi ce matin devant son trône de grâce. Et faisons-lui confiance. Ouvrons nos cœurs. Mettons ce moment devant lui. Que son esprit nous conduise ce matin. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, ce matin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu es vivant et que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu attends de nous, Seigneur, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Seigneur, tu veux mettre ce repos dans nos cœurs ce matin, cette paix dans nos cœurs. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas arrivés, mais nous avons besoin de ta grâce et nous approchons avec foi ce matin, Seigneur, pour pouvoir te louer, t'adorer. Car tu es digne, Seigneur, d'être loué. Notre adoration monte vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, relève ceux qui sont fatigués. Relève ceux qui sont découragés. Seigneur, mets cette joie dans nos cœurs ce matin pour pouvoir te louer, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire. Seigneur, nous te louons. Tu nous as sauvés, Seigneur. Jésus. J'entrerai dans ses pas, le cœur rempli de louanges. J'entrerai dans ses pavis en chantant. Je dirai, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouirai car il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé, oui, il m'a sauvé. Je me réjouirai car il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé.
le cœur rempli de louanges. Dans ses pavis en chantant, je dirai, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouirai car il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Je me réjouirai car il m'a sauvé. J'entrerai dans ses pas, le cœur rempli de louanges. J'entrerai dans ses pavis en chantant. Je dirai, c'est la journée que le Seigneur ce matin. Alléluia. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Si vous êtes heureux d'être là, acclamez le Seigneur ce matin. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia. Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Alléluia.
joie d'être dans ta maison, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour la vie éternelle, Seigneur. Combien nous te rendons toute la gloire ce matin. Alléluia, Jésus. Je suis heureux de venir adorer et lever mes mains le louer. Je suis heureux de venir adorer et lever mes mains et louer. Je suis heureuse de venir adorer et lever mes mains et louer. Je suis heureuse de venir adorer et lever mes mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, pour toujours. Je suis heureuse de venir adorer et lever mes mains et louer. Je suis heureuse de venir adorer et lever mes mains et chanter. Je suis heureuse de venir adorer et lever mes mains et louer. Je suis heureuse de venir adorer et lever mes mains et chanter. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Pour toujours, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, pour toujours, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Quelle joie d'être dans ta présence. Quelle joie d'être ensemble, Seigneur, pour te louer de tous nos cœurs, pour te rendre grâce pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous, Seigneur. Quelle grâce d'être dans ta présence. À toi soit toute la gloire, à toi soit l'honneur ce matin, Jésus. Nous voulons élever ton nom dans ce lieu, Jésus. Bénir ton nom pour tout ce que tu es. Ton nom seul est digne de louange, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonné. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Je suis abandonné. Alors que nous chantons, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois,
je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi, je ressens ta présence comme un je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle. Sur moi, je ressens ta présence comme un feu dans mon cœur. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu dans mon cœur. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. C'est le cri de notre cœur, Seigneur. Jésus, c'est de toi que nous avons besoin. Plus de ta vie en nous, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Viens, Seigneur. Nous t'accueillons, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. 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 Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. C'est de toi que nous avons besoin, Jésus. Nous t'accueillons, nous te louons, Jésus. À toi la gloire,
à toi l'honneur, Seigneur. Jésus, remplis ce lieu de ta présence. Remplis nos vies, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis nos cœurs de foi pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Nous t'adorons. Ta gloire remplisse ce lieu, car nos cœurs sont grands, ouverts. Nous proclamons ta grandeur, que ta gloire.
ta gloire remplisse ce lieu. Seigneur, nous adorons ton nom, Jésus. Nous inclinons nos cœurs, Seigneur, devant toi, ton amour, Jésus. Nous devant ta bonté, Seigneur, nous adorons toi, ton Seigneur, nom dans nos vies. Oh, nous te louons, toi, Seigneur, dans nos Jésus. Cœurs. Nous t'adorons, Seigneur, nous adorons Jésus, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence, remplis nos vies, Jésus. Quelles que soient les circonstances de ta vie, je veux rassurer ton cœur que je vis en toi par mon Saint-Esprit. Et mon Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Garde les yeux fixés sur moi. Je viens bientôt. Et comme tu l'as chanté, tu as besoin de moi. Tu veux plus de moi? Mais cherche-moi et je me laisserai trouver. Viens dans ma présence. En tout temps, en toutes circonstances, et que tes pensées soient renouvelées. Ce monde passe, mais moi je viens pour te chercher et je veux te préparer. Et chaque jour de ta vie, je veux t'affermir, je veux t'emmener à emporter des victoires. Renonce à toi-même, ne t'attache pas aux choses de ce monde, mais attache-toi à moi, cherche les choses de mon royaume et ton cœur sera rempli de joie, ton cœur sera rempli d'espérance parce que je prépare une place pour toi. Donc, ne t'arrête pas sur tes circonstances, ne te lamente pas sur tes circonstances, mais au travers de tes circonstances, je veux te former, je veux te façonner, je veux que tu me connaisses. Que tu me connaisses comme tu ne m'as jamais connu. Oui, tu as besoin de moi. Cherche-moi, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver et ton cœur sera dans l'allégresse. Et tu seras heureux et ton cœur sera heureux. Et tu seras un témoignage puissant là où tu es, là dans, avec tes amis, avec ton travail. Tu auras cette paix, tu auras cette joie. Et ils te demanderont, mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Donc ce matin, que ton cœur se réjouisse, parce que tu n'es pas seul. Je vis en toi par mon esprit, et mon esprit te conduira, et tu me connaîtras, et je me ferai connaître. Je viendrai à toi, et je remplirai ton cœur. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi, devant ton je m'abandonne.
je m'incline devant toi. Dans la douceur, dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi, devant ton amour, devant ta présence du Seigneur ce matin, frères et sœurs. Quel privilège d'être dans sa présence. Je ressens dans mon cœur ce matin comme une invitation du Seigneur pour chacun d'entre nous de venir dans sa présence, de se courber dans sa présence et d'avoir ce cœur réceptif, ce cœur attentif pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Parce que ce matin, le Seigneur veut nous visiter encore. Parce que ce matin, le Seigneur veut nous toucher. Le Seigneur veut se révéler dans chacune de nos vies. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Et le Seigneur veut nous transmettre sa vie. Le Seigneur veut nous transmettre la vérité qui est dans son cœur pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi le Seigneur nous demande et nous appelle à être attentifs, parce qu'il va nous parler. La lumière de l'Évangile va venir à nous pour nous construire, pour nous façonner et pour faire de nous ce bon parfum prêt à répandre la bonne nouvelle là où le Seigneur nous a placés. Le Seigneur nous a choisis, ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que le Seigneur nous aime et qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce matin, le Seigneur nous envoie son serviteur pour nous communiquer de sa part ce que le Seigneur a dans son cœur pour nous. Et combien nous avons besoin d'avoir véritablement cette attitude de cœur brisé, de cœur contrit dans sa présence, parce que le Seigneur nous a invités. Frères et sœurs, ne croyez pas que nous sommes là par hasard. Ne croyez pas que nous sommes là par nos propres forces. Mais c'est le Seigneur qui nous a invités dans sa présence ce matin. Donc allons avoir cette attitude qui plaît au Seigneur, afin que lorsque la vérité de l'Évangile, la parole va venir à nos cœurs, que nous puissions nous briser devant lui, que nous puissions reconnaître notre état dans sa présence et que nous puissions rechercher cette repentance à salut. Parce que le Seigneur veut nous toucher. Le Seigneur veut nous toucher. Et si nous ne sommes pas insensibles, nous entendrons la voix du bon berger.
Et la voix du bon berger va nous montrer ce dont nous avons besoin de voir, de comprendre et de reconnaître vis-à-vis de nous-mêmes, frères et sœurs. Et le Seigneur va nous changer, nous transformer, si nous le désirons, si nous approchons de lui avec ce cœur brisé, ce cœur contrit, avec ce cœur qui est dans la foi, avec ce cœur qui croit que le Seigneur peut faire au-delà encore de notre espérance ce matin. Quelle grâce d'être dans sa présence. Quel privilège d'être dans sa présence. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de faire des merveilles et des miracles au milieu de nous, frères et sœurs. C'est à nous d'avoir ce cœur disposé, ce cœur ouvert. Et quand le Seigneur trouve ce cœur malléable entre tes mains, entre ses mains, le Seigneur peut intervenir. Le Seigneur peut faire des vrais miracles pour nous changer, pour nous transformer et pour nous amener à sa ressemblance. Quelle grâce d'être dans sa présence ce matin. Quel privilège. Nous bénissons ce grand Dieu. Nous le bénissons, nous le glorifions. Nous sommes reconnaissants qu'il est venu nous sortir de la boue du péché et pour nous ramener dans sa maison. Parce que c'est là qu'il prend soin de nous. C'est là qu'il nous touche. C'est là qu'il nous restaure. C'est là qu'il nous visite, frères et sœurs. Quelle grâce. Quelle grâce. Allons nous tourner vers lui un moment. Allons crier à lui parce que nous voulons qu'il nous touche ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette grâce que nous avons, Seigneur, d'être dans ta présence. Et nous savons que quand nous sommes dans ta présence, nous sommes à la bonne place. Parce que c'est un endroit, Seigneur, où tu peux nous toucher, où tu peux nous visiter, où tu peux nous relever, où tu peux, Seigneur, nous restaurer et nous faire du bien, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oui, merci de ta présence ce matin. Merci pour cette parole qui va venir. Merci que cette parole ouvre les yeux de nos cœurs et nous emmener, Seigneur, à fixer continuellement nos regards vers toi. Nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Oh, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Oh, sois loué, sois adoré, sois élevé. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Oui, Jésus, nous nous inclinons devant toi ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle grâce, frères et sœurs, d'être dans sa présence ce matin. Hein, c'est vraiment un privilège. Hein, et nous avons aussi, nous le connaissons, notre frère Jean-Charles, mais nous avons le privilège de l'avoir ce matin au milieu de nous. Donc, applaudissons-le, mais surtout, disposons nos cœurs, parce que le Seigneur va nous parler et le Seigneur va nous faire du bien. Donc, ouvrons nos cœurs, disposons nos cœurs, pour que nous entendons ce que le Seigneur a pour nous. Et je passe la parole à mon frère pour nous encourager pour les offrandes. Mon frère Rinald Madrassi, qui est au milieu de nous. On l'accueille. Alléluia. Alléluia. Bonjour les frères et sœurs. Je m'appelle Rinald, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je suis de l'église de Rouen et je sers le Seigneur avec toute l'équipe, avec Thierry, avec Jean-Charles. Voilà. Puis c'est une grande joie de, vraiment de servir le Seigneur. Puis c'est une joie d'être là ce matin parce qu'il y avait vraiment très très longtemps qu'on était venus. Voilà, donc on est vraiment dans la joie. La vie chrétienne, c'est facile quand on se donne vraiment totalement au Seigneur, à 100%. Mais c'est compliqué et difficile quand il y a ne serait-ce qu'une part de nos vies qui n'est pas totalement consacrée au Seigneur. C'est là où, quelque part, il y a des combats. Les combats, ils sont lorsque, même si on donne notre vie à 90%, ce qui est déjà beaucoup, hein, si on mettait le curseur à 90, c'est déjà beaucoup, mais si, cette part des 10%, bah, c'est celle qui nous emmène toujours en arrière. C'est celle qui, finalement, nous emmène toujours à ne pas servir le Seigneur pleinement. Et je ne parle pas d'actes seulement, mais je parle simplement d'un cœur qui s'ouvre au Seigneur. Moi, vous savez, j'avais compris ça depuis pas mal de temps, mais j'avais beaucoup de mal à y obéir. Vous savez, on peut comprendre les choses, et je pense que la plupart des chrétiens, on comprend les choses finalement. On est tellement enseigné sur ces choses, hein, sur donner sa vie comme le Seigneur a donné sa vie. Mais obéir, c'est autre chose. Et quand j'ai finalement accepté d'obéir, vraiment de dire, Seigneur, finalement, je me livre à toi. Je sais que ça va être difficile, il y aura des moments où ce sera difficile, mais quelque part, je compte sur ta grâce. Les choses ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faciles.
Amen. Donc on a un petit passage qu'on peut lire dans Éphésiens 5, au verset 2, il dit « Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Il y a beaucoup de versets dans la Bible, que ce soit l'Ancien, Nouveau Testament, qui parlent de l'offrande, mais je pense que cette offrande-là, je pense qu'on comprend bien la nature de l'offrande. Hein. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager dans les finances, bien évidemment, mais la plus grande offrande que l'on puisse vraiment offrir au Seigneur, ce sont nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs ? Et ça ne doit pas être difficile, finalement. C'est simplement même une prière, quelque part, on dire, voilà, Seigneur, j'ai peut-être du mal, parfois, à me donner entièrement, mais accorde-moi ta grâce, quelque part. Parce que c'est là où, vraiment, on va trouver le bonheur, et c'est surtout là où on va trouver le repos pour notre cœur, pour notre âme. Hein. Donc l'argent, finalement, parce que là, je suis là pour vous encourager, pour les finances, moi, je dirais que c'est un détail, finalement. C'est un petit détail. Parce que quand notre cœur est vraiment pour le Seigneur, eh ben, on donne avec libéralité, on donne avec joie, hein, et c'est, quelque part, l'expression de notre cœur. Mais la première chose, c'est l'offrande de nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais accueillir le frère Jean-Charles ce matin. Et on est reconnaissant d'avoir son serviteur avec nous. Amen. Vous savez, ce n'est pas la parole d'un homme qu'on va entendre, frère et soeur, mais c'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Gardons nos cœurs ouverts. Voilà, bonjour frères et sœurs. C'est toujours une joie d'être avec vous, d'être avec le peuple de Dieu, où qu'il soit. Et ce matin, on est dans la joie d'être là. En toute chose, on veut se réjouir. Et ce matin, moi, je ressentais qu'il y avait de la joie dans les cœurs, non ? Parce que le grand jour approche. Chaque jour qui passe, le grand jour approche où le Seigneur va nous délivrer. Mais aujourd'hui encore, alors que nous sommes là, c'est un jour pour se laisser préparer. Le Seigneur va encore nous préparer, encore nous travailler. Laissons-nous travailler le temps qu'il faut, parce qu'on a besoin. Les temps sont mauvais. Et ce matin, la chose que j'ai à cœur de vous partager, c'est de l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de la parole de Dieu qui vient à nous. Et puis d'un autre côté, la réceptivité de notre cœur, l'attitude de notre cœur pour recevoir cette parole afin qu'elle puisse faire son travail sans obstacle. Mais la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous a envoyé. Il nous a envoyé pour sa parole, pour nous laver, pour nous instruire, pour nous façonner, pour nous travailler. Et cette parole vivante qui vient vers nous, il faut que nous la reconnaissions quand elle vient et que nous ayons une attitude ouverte et pleine de foi pour qu'elle puisse faire tout son travail. Parce qu'elle est puissante et elle est abondante aussi. À l'époque du prophète Samuel, la parole était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Mais aujourd'hui, la parole est riche, abondante. Et il ne faudrait pas que du même coup, on soit un peu comme des enfants gâtés, qui sont repus, qui sont bien nourris. Mais considérons que chaque jour qui passe est un jour pour boire cette parole, pour qu'elle soit une nourriture pour nos cœurs et de reconnaître le prix qu'elle a. Vous savez, c'est par sa parole que Dieu a tout créé. D'accord avec moi ? Si vous lisez la Genèse, vous allez voir que Dieu a parlé et a dit que la lumière soit... Et la lumière fut. Voilà, vous connaissez aussi bien que moi. Donc la parole, ce n'est pas tout à fait la même chose que le son qui sort de notre bouche. Nous parlons, nous bavardons toute la journée. Mais quand Dieu parle, des choses se passent. Parce que sa parole est créatrice.
Et c'est avec sa parole qu'aujourd'hui il nous forme. Vous le reconnaissez ? Et il n'a pas confié sa parole à n'importe qui, mais il l'a confiée aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, et puis aussi aux anciens qui sont dans les églises. Et c'est pour ça qu'on a besoin de considérer cette parole et de fuir tout ce qui ressemble. Parce qu'aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi que, de même que Lucifer s'est transformé en ange de lumière, de la même façon, ses ministres se transforment aussi en ministres de justice. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et ne pas boire n'importe où. Parce que ce que l'on boit, ça rentre en nous et ça produit quelque chose. Et vous savez, la parole évoque l'eau dont on n'est pas sûr. Vous savez, cette eau dont on n'est pas sûr. Alors, ça fait référence à une époque où on n'avait pas l'eau courante, mais pour s'abreuver, on allait à un puits ou à une source, et il fallait être sûr de la source ou du puits, parce qu'autrement, on pouvait s'empoisonner. Ben, de la même façon, quand on va boire la parole de Dieu, attention à quelle source nous buvons. Et surtout, fuyez, mes frères et sœurs, les sources dont vous n'êtes pas sûrs. Et évitons cette espèce de tourisme spirituel où on prend un bout ici et un bout là. Ça, c'est la meilleure façon d'être confus et de ne plus distinguer notre droite de notre gauche. Alors qu'au contraire, Jésus nous a donné une source qui est sûre. Vous êtes d'accord avec moi ? La source apostolique. La source qui est sûre à 100%, qui est virus-free, comme on dirait aujourd'hui, qui est exempte de toute suspicion. C'est une source qui est pure et à laquelle nous pouvons boire. Et le Seigneur parle aujourd'hui. Et de quoi il parle ? Il faut faire attention aussi de quoi il parle. Parce que les uns cherchent la sagesse, les autres cherchent les miracles, d'autres cherchent, ben nous, qu'est-ce que nous cherchons ? Je pourrais vous poser la question ce matin, qu'est-ce que vous cherchez dans l'Église ? Est-ce que vous cherchez une parole pour agrémenter votre vie ou pour rassurer votre conscience ? Ou est-ce que vous cherchez des miracles ? Il y en a qui cherchent la puissance, d'autres qui cherchent la guérison. Bon, il n'y a pas forcément de mal à chercher tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Vous remarquerez qu'en ce moment, il nous parle de la saine doctrine, il nous parle de la croix et il nous parle du fondement. Et tout revient au fondement, finalement. Et ce n'est pas le moment, je crois, de courir après des choses qu'on pourrait désirer. Le réveil, extraordinaire le réveil, mais ce n'est pas ce que Dieu dit en ce moment. Il y a des époques pour ça, il y a des temps pour ça. Il y a un temps pour tout dans le royaume de Dieu, dans son plan. Et il nous parle plutôt du fondement en ce moment. Et ce n'est pas trop le moment non plus de courir après des grandes manifestations de l'esprit dans nos réunions. Vous remarquerez vous-même que dans nos réunions, il n'y a pas une foule qui se précipite ici pour prophétiser, parler en langue, imposer les mains, traduire, faire des miracles. Non, le Seigneur nous parle. Il nous parle de la saine doctrine, de la croix et du fondement. Et il nous explique pourquoi. C'est parce que les temps sont difficiles. Et c'est parce qu'il y a une foule de docteurs, de faux apôtres, de faux prophètes qui vont venir. Et quand ils viendront, ben, il faudra connaître la saine doctrine. Et regardez comment Jésus s'est comporté en face du diable dans le désert. L'ennemi est rusé, hein, il ne vient pas avec des arguments grossiers, il vient avec la parole de Dieu. Comme les faux ministres qui viennent aussi avec la parole de Dieu, mais ils falsifient la parole. Ils la falsifient, ils ajoutent un peu de tradition, ils enlèvent un peu de choses essentielles comme les cinq ministères, ils falsifient et après ils tordent le sens des Écritures. Et il faut qu'on apprenne à discerner et quand on sera fondé dans la saine doctrine, on discernera. Parce qu'on sera capable de dire, oui, ce que tu dis là, c'est scripturaire, c'est vrai, mais ton cœur est tordu. Et ce que le diable disait à Jésus, c'était scripturaire, hein ? Les anges te porteront. Oui, c'est écrit tout ça. Mais le cœur était tordu, mensonger. Et Jésus a discerné tout de suite. Il est écrit, il est encore écrit, point final. Et le diable a été obligé de faire marche arrière. Et nous aussi, le Seigneur veut aujourd'hui nous équiper, nous enraciner, nous fonder un peu plus pour qu'on soit solide, qu'on discerne et qu'on ne soit pas confus avec toutes ces fausses doctrines qui viennent. Et pour ça, il nous a envoyé sa parole. Allons lire dans Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1. On ne va pas aller bien loin, on va au chapitre 1. Et moi, j'aime beaucoup l'évangile de Jean parce qu'il est simple. Il s'adresse à ceux qui ont le cœur simple, à ceux qui sont comme des enfants. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est la même parole, mes frères et sœurs, qui a présidé à la fondation du monde et qui vient aujourd'hui nous engendrer. C'est la même. De même que c'est la même onction aujourd'hui qui travaillait aussi, qui travaillait dans le cœur des apôtres d'il y a 2000 ans et qui travaille dans le cœur des apôtres d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont qualifiés pour apporter la révélation de cette parole. Parce qu'il y a un psaume aussi qui nous dit « La révélation de tes paroles nous éclaire ». Parce que la parole sans révélation, c'est la lettre qui tue et qu'on ne comprend pas. Donc, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ». Et alors là, on comprend de qui il parle là. Vous savez de qui il parle, bien sûr ? De Jésus. Et on comprend que Jésus est la parole. Il est le Verbe incarné, il est le Logos. Il est lui-même cette parole qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est pour ça que quand nous écoutons Jésus, ses paroles, nous entendons la parole de Dieu, cette parole de vérité qui va nous nourrir, nous former et nous faire du bien. Alors, c'est essentiel quand on comprend ces choses-là, parce que ça va changer notre attitude. Et de comprendre que maintenant, quand on vient au pied des apôtres, comme au temps des actes, la parole va faire un travail en moi, obligatoirement. Mais seulement si vous la recevez avec votre intelligence ou avec votre esprit religieux, oui, je connais ce verset, et puis je devine déjà qu'est-ce qu'on va partager aujourd'hui, vous venez avec votre routine, votre connaissance, aucun travail ne va se faire. Mais si vous venez avec un cœur ouvert, parce que ce n'est pas des choses nouvelles que les frères prêchent, vous êtes d'accord avec moi ? C'est des choses pas nouvelles du tout, mais si vous écoutez avec un cœur ouvert, moi j'essaie de faire ça, chaque fois il y a un peu de révélation qui s'ajoute. Et chaque fois je me dis, tiens, je n'avais pas vu ça, tiens, voilà. Et c'est comme ça que la révélation augmente en nous, qu'on est plus équipé et qu'on est formé et que le Seigneur peut faire son travail en nous. Il a du travail à faire en nous encore, vous savez, hein ? On n'est pas arrivé, hein ? Et c'est la parole qui va nous former et nous travailler. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole, c'est Jésus. Et maintenant, on va aller voir, pour illustrer tout ça, quelques situations qui sont dans l'Évangile et qui vont nous montrer la puissance d'un mot, une parole. Vous savez qu'une parole peut changer la vie de quelqu'un. Quand c'est une parole de vie qui est transmise avec foi, qui est transmise avec un propos, ça peut bouleverser la vie de quelqu'un. Et il suffit de pas beaucoup. Et c'est pour ça que je crois que nous aussi, les chrétiens, nous allons probablement parler moins, parce que Jacques parle aussi de maîtriser la langue, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas parler tout le temps, de ne pas parler. Mais dans une maturité, quand on parlera, ce sera une parole de vie et ça va faire quelque chose. Et on va commencer par lire dans Luc chapitre 5 au verset 3, un petit épisode bien connu, où c'est le tout début de Jésus avec ses apôtres. Ils viennent de faire connaissance les uns avec les autres et Jésus s'approche du rivage pour prêcher. Il monta dans l'une des barques qui était là, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Alors pourquoi il montait dans un bateau ? C'est tout simplement parce que la foule était tellement nombreuse et tellement oppressante. Vous savez, il était oppressé qu'il avait besoin de prendre un peu de recul. Donc il montait dans un petit bateau, il s'éloignait de 2 ou 3 mètres, et comme ça, la foule ne pouvait plus l'oppresser, se jeter sur lui. Et il pouvait parler à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Voilà une petite instruction qu'il donne à Pierre, à Simon. Et dans un premier temps, voilà ce que Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et alors, vous voyez, quand la parole vient comme ça, la première réaction, c'est de se dire, « Ah oui, mais... » Ça vous arrive de répondre comme ça ? Et les raisonnements se mettent en marche. Ben oui, mais j'ai déjà essayé 36 fois. Ben oui, mais... Et notre cœur n'est pas ouvert et rien ne se passe.
Et il faut faire attention parce que la parole de Dieu est vraie. Et si nous arrivons à raisonner, à calculer, à intercepter la parole dans notre tête, rien ne va se passer. Et imaginez, Simon, il doit se dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'il connaît à la pêche, lui? Qu'est-ce qu'il connaît à la navigation? Nous, on sait, nous, on connaît. Mais il a ce réflexe excellent. Il était bien pour ça, Pierre, parce que c'est comme ça aussi qu'il a dit un jour, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, un élan du cœur qui sortait de lui. Et là, de la même façon, il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Et voyez comment il a pris appui sur cette petite instruction que Jésus lui avait donnée et tout le miracle a suivi. Frères et sœurs, il y a une leçon là-dedans. Dieu parle, on dit oui mais, et puis on se dit mais non, il n'y a pas de oui mais. On applique ce qu'il nous dit et le miracle suit. Parce que quand le Seigneur parle, il ne parle pas en vain. Quand il nous dit quelque chose, c'est bon. Et ce qu'il nous dit, c'est ça et ce n'est pas autre chose. Et là, il faut de l'obéissance et il faut de l'humilité. Sur ta parole, je vais jeter le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit ça, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi. Et Jésus le rassure et lui dit, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Court, concis, rapide, mais alors déterminant. Hein, là, la révélation vient, il laisse son métier, il laisse son bateau, ses filets, et il suit Jésus. Voilà une attitude radicale. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut laisser votre travail, qu'il faut laisser, etc. Mais il y a une attitude quand même là qui doit nous enseigner, qui doit nous instruire. Quand Dieu parle, on réagit. Quand le Seigneur parle, on ne dit pas oui, mais on dit Seigneur, éclaire-moi. Et après, il y a une bénédiction. Alors qu'autrement, si vous laissez les raisonnements prendre le dessus, vous avez lutté, vous allez être confus, vous allez être en mer, vous allez tourner en rond. Mais un peu d'obéissance, un peu de foi, c'est là que la parole, quand elle vient, a besoin de trouver un cœur de foi, un cœur qui répond. Et quand les deux viennent en connexion, le miracle se produit. Le Seigneur agit par des miracles, il construit nos vies par des miracles. Et ici, on en a un exemple. Souvenez-vous de ce passage-là, vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Pierre était simple, il était entier, entier dans un sens, entier dans l'autre. Et je crois que le Seigneur aime des caractères comme ça. On va voir un autre exemple. Moi, j'aime bien les exemples parce que c'est parlant et ça illustre. Hein ? Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda. Centenier, c'était un centurion, c'est-à-dire un officier de l'armée romaine. Pas un juif du tout, hein ? Un étranger. Le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Mais le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Cet homme-là, qui n'était pas un juif, qui n'était pas un chrétien, qui n'était rien. Alors, ça nous parle aussi parce que faisons attention que nous, avec nos 10 ans de conversion, nos 30 ans de vie chrétienne, on connaît tout, mais qu'est-ce qu'on vit? Et qu'est-ce qu'on obéit? Et qu'est-ce qu'on expérimente comme victoire et comme miracle dans nos vies? Et faisons attention que l'étranger, lui, qui vient d'entrer dans l'Église, tout de suite, il capte parce que son esprit est neuf, il est ouvert. Et il est comme ce centenier-là, qui était un étranger pour le peuple de Dieu, un païen, hein. Peut-être qu'il était converti dans le meilleur des cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'était pas un juif, je ne crois pas. Et donc, le centenier obéit dans son cœur. Il dit, si tu dis un mot seulement, ça suffira. Voilà le genre de foi dont nous avons besoin, mes frères et sœurs. Et cet homme-là a expérimenté un miracle. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Et en plus, Jésus fut dans l'étonnement. Alors, vous savez, pour que Jésus soit étonné, il en faut beaucoup. Hein, pour impressionner Jésus, il en faut beaucoup. Et souvent, on croit qu'on l'impressionne par nos attitudes, nos exploits, nos services, etc. Je crois qu'on ne l'impressionne pas beaucoup.
Et je crois quand même qu'il se réjouit quand on fait les choses bien, il n'y a pas de problème. Mais pour impressionner Jésus, il en faut beaucoup. Et là, il a été impressionné. Ça aussi, ça doit nous parler. Un mot de toi suffit. Et je suis sûr que parmi nous, il y a des situations difficiles, il y a des maladies, il y a des manques de toutes sortes, il y a des luttes, etc. Ben, si vous avez un cœur ce matin pour dire « Jésus, un mot de toi suffit », et tout est possible. Quand nous avons de la foi, tout est possible. Un miracle est possible. Ou si la situation ne se dénoue pas, une grâce miraculeuse qui vient dans mon cœur, et la situation n'est toujours pas résolue, mais la lutte a pris fin. Je suis dans la paix maintenant, je pardonne, je relâche, je suis libre. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait d'être libre. Libre, parce que le non-pardon, on le transporte partout. Vous allez le transporter à l'église, au bureau, à la maison, passer la nuit et vous réveiller avec. Ça vous obsède, c'est là tout le temps. Vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Mais quand vous arrivez à expérimenter ce miracle de Jésus qui intervient, vous devenez libre et là, c'est la paix et c'est le bonheur. Et c'est ça que... Et puis, il y a aussi des miracles de guérison. Jésus guérit aujourd'hui encore. Pas systématiquement, bien sûr, mais tout est possible dans la présence de Dieu si on a seulement un peu de foi. Donc Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc on a besoin de foi pour accueillir cette parole-là. Et j'ai relu la fin de l'évangile de Marc, les deux derniers chapitres, et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à plusieurs reprises, Jésus reproche une chose à tous ses disciples, c'est le manque de foi. À plusieurs reprises. Et... Il a fait un bout de chemin avec les deux disciples de Capharnaüm, là, qui c'est bien connu, cette histoire. Il y avait deux disciples. Et au bout d'un certain temps, dans la conversation, il dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire et à comprendre. » Il y a une lenteur pour croire, alors qu'il leur avait tout annoncé. Et puis là, bien sûr, leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent. Et à un moment aussi, Jésus apparaît aux douze. Il leur apparaît miraculeusement. Il entre là où ils sont et il leur reproche une chose, c'est leur incrédulité et leur cœur dur. Et puis il y a encore plusieurs situations où il leur reproche leur incrédulité. Ben, qu'ils ne puissent pas nous faire ce reproche ce matin, mais qu'ils trouvent en nous un cœur plein de foi, un cœur tendre, un cœur pur, un cœur qui accueille ce qui vient. Et dire, Seigneur, pardonne-moi, un cœur humble et un cœur plein de foi. Et je suis sûr que vous avez fait des expériences déjà de foi où le Seigneur a tout fait, tout. Moi, je me souviens encore d'expériences qu'on a vécues, ma femme et moi. On y allait par la foi, en fermant les yeux, on tremblait un peu, la jambe tremble un peu dans le pantalon, mais on y va, on se lance, et le Seigneur fait au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer ou supposer. Parce que quand il voit la foi, il peut pas, il est obligé d'agir. Il est obligé de faire quelque chose. S'il voit de la foi dans notre cœur, il est obligé. Alors que le reste, il n'est pas obligé. C'est une pure grâce. Hein. Pure grâce si je suis sauvé, pure grâce s'il me donne quelque chose aussi. Mais quand il y a une foi authentique qui se lève là, c'est sûr, là le Seigneur se fait un plaisir d'agir et il agit toujours. Et il est celui qui fait au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer ou supposer. Et après, on se dit, oh là là, j'aurais pu rater, j'aurais pu passer à côté, comme ça aurait été dommage. J'aurais été le grand perdant. Donc ce centenier-là, qui était un étranger, a manifesté de la foi. Jésus a été impressionné. Et bien sûr, le serviteur de cet homme-là a été guéri instantanément. Troisième exemple. Marc chapitre 4, verset 36. Un moment très impressionnant aussi. Alors, c'est un moment où Jésus dit « Venez, on va passer de l'autre bord du lac de... » C'était comment s'appelle ce lac? Le lac de Tibériade, hein, en fait. Allons de l'autre côté. Alors, chaque fois que Jésus emmenait ses disciples en bateau, qu'est-ce qui se passait? Tempête. Tempête, à tous les coups. Et quand Jésus nous emmène dans la vie, qu'est-ce qui se passe aussi? Tempête. Des tempêtes, exactement. Et des cyclones, et des bourrasques, et des contrariétés, et des tas de choses. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal, et ça va former quelque chose en nous, ces tempêtes-là. Ça va former une maturité, une endurance. On ne sera plus comme un enfant qui se roule par terre quand il n'a pas ce qu'il veut,
mais on va être dans une maturité qui est capable de souffrir, d'endurer, de patienter et finalement d'obtenir la victoire sans se plaindre. Ça, c'est la maturité. Le Seigneur veut nous emmener dans une maturité de plus en plus. Donc là, il les emmène en bateau, il leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait là aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans le bateau, au point qu'il se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Alors quand Jésus dort, ce n'est pas un hasard, ce n'est jamais un hasard, parce que Dieu ne sommeille, ni, je ne sais plus comment c'est dit, ne dort ni ne sommeille. Il est réveillé tout le temps. Mais quand il dort, c'est fait exprès. Et vous savez, dans nos vies, il y a des moments où on a l'impression qu'il dort aussi. Vous avez remarqué ? Hein ? Vous criez, rien ne se passe. Vous suppliez, vous priez, et le lendemain, c'est pire encore. Hein ? Mais c'est fait exprès, pour tester un petit peu. Et il y a des moments où le Seigneur retire un tout petit peu sa présence et sa grâce pour tester, voir si on va persévérer. On a besoin de passer par là. Et dans une maturité aussi, vous allez persévérer, vous ne serez pas effrayé parce que vous camperez sur ce qui est écrit, sur des certitudes, des choses que vous savez, et non pas sur vos impressions que Jésus dort. Ben, il dort, à ce moment-là, il dormait. Il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne t'inquiètes pas ». Donc, ils sont en train de faire des reproches au Seigneur. Et quelquefois, le chrétien aussi, dans sa tourmente, il dit « Mais Seigneur, je crie, tu ne me réponds pas, je prie, tu ne fais rien ». Attention à ce genre d'attitude, parce qu'on ne peut pas pointer le doigt vers le Seigneur. Lui, il fait toujours sa part, il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Et s'il vous teste un peu, il a le droit. S'il vous laisse mariner un petit peu dans vos soucis, vos problèmes, il a le droit. Et croyez-moi, ça va vous faire beaucoup de bien à la fin de l'histoire. Parce que quand vous aurez fini de traverser, vous direz, waouh, ben j'ai grandi un petit peu. Hein, je panique moins facilement. J'ai vu une fois de plus la main de Dieu. J'ai vu aussi qu'il n'est pas là pour faire mes caprices, ni pour faire ce que je lui demande. On ne peut pas bouger la main de Dieu. Et il ne faut pas essayer non plus. Parce qu'il serait capable même de le faire, mais il ne faut pas essayer de bouger la main de Dieu. Nous sommes au service du Saint-Esprit et du Seigneur et du Père. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à notre disposition pour faire tout ce que nous prions, tout ce que nous demandons. Il faut avoir un respect vis-à-vis de Dieu et dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire dans la situation ». Emmène-moi dans ce que tu as préparé, même si on boit la tasse un peu, le bateau est rempli d'eau, etc. Le bateau est rempli d'eau, ton bateau est rempli d'eau, mais t'inquiète pas, il ne va pas couler. Jésus est toujours dedans et il a le pouvoir de te maintenir à flot et de faire une œuvre en plus. Et alors là, il dit, voilà, la parole, il dit à la mer, silence, tais-toi. Deux mots. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Voilà la parole de Dieu à l'œuvre. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante. Et il ne faut pas s'étonner que Jésus ait calmé les éléments parce que c'est lui qui les a créés. Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans 1 Jean, chapitre 1er, c'est lui qui a créé le vent, qui a créé le ciel, qui a créé tout, qui a créé la mer. Donc quand il se lève et qu'il dit tais-toi, ben, il parle à sa création. Il est tout puissant et il est tout puissant pour nous aussi, mes frères et sœurs. Il est capable de calmer les tempêtes de votre vie. Il est capable. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a déposé aussi son Saint-Esprit en vous et que vous aussi, maintenant, dans une maturité, il y a des moments où vous allez ressentir que vous vous levez dans la foi maintenant et que vous allez calmer les tempêtes vous-même. Parce qu'on on doit apprendre tout ça aussi. Il y a des tempêtes familiales, il y a des tempêtes financières, il y a des tempêtes de travail. Et avec une sagesse, avec un amour, avec l'Esprit de Dieu en vous, vous allez voir, vous allez dire à la mer et à la tempête, calme-toi. Alors, pas comme ça, phoniquement, comme je vous parle, mais avec une attitude appropriée, vous allez calmer les tempêtes. Vous allez calmer les difficultés, ramener la paix. Et moi, je vois comment un seul homme ou une seule femme bien disposée peut ramener une discussion... Vous savez, on peut ramener la paix dans beaucoup de situations. Il y a la vie de couple aussi, quelquefois ça chauffe. Mais la responsabilité du mari, quand il comprend vraiment le plan de Dieu, c'est en renonçant à lui-même, en prenant sa croix, de ramener la paix.
de ramener la paix, de donner gagnant, de donner sa vie, de dire ben, pardonne-moi, de s'humilier, parce que ce qui est important pour lui, c'est plus lui maintenant, c'est l'autre, c'est que l'autre soit bien. Je crois que quand on grandit, on se préoccupe plus de nous-mêmes, mais on veut que l'autre soit bien. Et s'il faut qu'on soit bien humilié pour que l'autre soit bien, pas de problème, on le fait. On calme les tempêtes de la vie, les tempêtes conjugales, les tempêtes familiales, financières, etc., avec une bonne attitude. Mais on est fondé sur la parole de Dieu. Et on se souvient de cet épisode où Jésus a dit « Silence, tais-toi ». Souvenez-vous de ces petites paroles. Jésus est tout puissant, sa parole est puissante. Ne l'accueillez pas comme la parole d'un homme surtout. Ah oui, aujourd'hui, c'est Jean-Louis qui prêche. C'est pas ça qu'on veut chercher. Parce qu'autrement, on va être comme les Corinthiens qui préféraient, l'un préférait Paul, l'autre préférait je ne sais pas qui. Hein? Mais Apollos, oui, merci. Mais nous, on veut entendre du Seigneur. Et si le matin, le dimanche matin, vous venez en disant « Seigneur, c'est toi que je veux entendre », qu'importe qui prêche, qu'importe qui fait la louange, c'est toi que je veux entendre, vous recevrez à travers l'homme la réponse du Seigneur. Et c'est ça qu'on veut. Silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et il leur dit, pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Oh, quelquefois on est mortifié, on se dit, oh là là, j'ai manqué de foi, je me suis énervé. Et ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voilà trois exemples, mes frères et sœurs, qui nous montrent que la parole de Dieu est puissante et qu'il ne suffit de pas grand-chose, une petite parole de vie, et les choses sont dites. Et maintenant, acte 2, verset 42, et vous allez voir comment l'Église des actes persévérait et comment ils étaient construits et édifiés. Et nous devons prendre le même chemin. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, fraction du pain, les prières aussi, bien sûr. Mais la première chose qui vient dans la liste, là, les quatre choses, la première chose, c'est l'enseignement des apôtres. Souvenez-vous de qui vous avez reçu l'évangile et sachez de qui est le prix qu'il a et de qui vous l'avez reçu. Mes frères et sœurs, n'allons pas chercher ailleurs. Allons boire encore une fois à la source qui est sûre, qui est vérifiée, qui est 100% sûre. Et c'est parce que c'est sensible, hein. Si vous rajoutez un tout petit peu de quelque chose, un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein, le levain de la malice, de la méchanceté. Et il suffit de très peu de choses pour pervertir la parole de Dieu. Et le diable est champion à ce jeu-là, parce qu'il est malin. Et il vient toujours avec un produit qui ressemble. Vous voyez ? Il est le champion du fake, du faux. Il falsifie. La racine du mot falsifier, c'est faux. C'est faux. Mais seulement, ça paraît juste. C'est comme un bijou en toc, voilà. Ah, ça brille, c'est joli. Et puis, au bout de 3 jours, ça s'écaille. Et vous voyez qu'en fait, c'était du plastique avec une petite couche de je ne sais pas quoi par-dessus, de peinture. C'est du fake, c'est du faux. Méfions-nous, apprenons à discerner. Et pour ça, l'enseignement des apôtres, c'est ce que Jésus nous a donné. Il a donné des apôtres avant tout, puis des prophètes, puis des enseignants. Il nous a donné des ministères. Buvez à cette source-là et vous serez forts, vous serez bien nourris et vous grandirez. Mais le reste, on ne connaît pas trop. Et il y a des prédicateurs aussi qui disent des choses très sensées. Hein. Oh, c'est super, c'est bien dit. Mais souvenez-vous comment Paul a apporté la parole aux Corinthiens. Sans la sagesse du langage, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. C'est-à-dire qu'une éloquence extraordinaire pourrait rendre vaine la prédication de la parole. Parce que là, on regarde l'homme, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il parle bien ?» On aime. C'est exactement comme quelqu'un qui ferait la louange avec un brio extraordinaire au piano, des accords extraordinaires. Ben, vous allez écouter l'homme. À la limite, aller au concert, ce sera mieux. Hein? Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Et vous remarquerez que de même que Paul a porté la parole tout tremblant, tout brisé, et de la même façon, ceux qui prêchent aujourd'hui, qui nous apportent l'évangile, ils écorchent un peu le créole, ils écorchent beaucoup le français, ils écorchent l'anglais. C'est pas bien emballé, c'est fait exprès, afin que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse du langage. Et Paul aussi a expérimenté ça.
Il est venu non pas avec les discours, sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours séduisants de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu, afin que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et pas sur la sagesse des hommes. Donc attention à qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde l'homme qui parle bien, qui fait des jokes, on trouve ça super, ou est-ce qu'on essaie de capter ce qui est transmis à travers tout ça, hein? La parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Allez, on va plus loin. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. L'église de Thessalonique, à laquelle on peut s'identifier parce qu'elle était exemplaire. C'était une église vraiment exemplaire. Ils étaient pauvres, bourrés de problèmes et ils brillaient. Et souvent, c'est ceux qui ont le plus de problèmes qui brillent le plus pour Jésus. Comme quoi, la facilité n'est pas faite pour les chrétiens. Ne vous plaignez pas que vous ayez des épreuves, parce que dans la facilité, on ne brille pas. On s'appesantit, on se laisse aller, on est confortable et on ne brille plus du tout. Mais dans les difficultés, on est obligé de crier à Dieu tous les jours. Dans les épreuves, on crie tous les jours, on crie tout le temps, et on est réveillé, et on est bien. Et souvent, c'est dans le fond des pires difficultés qu'on encourage les autres. Parce que quand je suis dans le trou, moi j'ai vu ça encore cette semaine, dans une réunion de maison, une sœur qui était finie avec ses problèmes, ben, elle a été emmenée ce soir-là à encourager quelqu'un. Et je peux vous dire, cet encouragement, elle a été de l'esprit, il était puissant, et il a été reçu comme tel. Mais elle était finie ce jour-là. Donc, ne nous plaignons pas de nos épreuves. Ils construisent quelque chose. Ils construisent la patience. Ils construisent une maturité. Et ils nous gardent éveillés aussi. Parce qu'autrement, on serait comme des enfants gâtés. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, qui agit. Et moi, je sais que je me souviens d'un jour où j'avais écouté une prédication du frère Mickey et j'avais un problème à l'époque. Et bien, le lendemain, le problème avait disparu. Comme quoi, la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu qui vient vers nous. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est une puissance qui vient. Et ce jour-là, j'avais le cœur ouvert, je me suis dit, mais c'est incroyable, je suis libéré. Il a parlé de tel sujet qui me concernait, j'ai écouté, et là, je suis complètement libéré. Le Seigneur avait fait son miracle à travers sa parole. Est-ce que ce matin encore, on a un cœur ouvert pour écouter le frère Mickey qui prêche à Maurice, pour écouter ce qui vient? Si vous avez un cœur ouvert, une soif et un peu de foi, vous verrez des miracles dans votre vie. Le premier miracle, c'est que vous serez fondé et enraciné. Deuxième et troisième miracle, c'est que vous verrez des victoires. Un chrétien qui ne remporte jamais de victoire, ce n'est pas normal. Et moi, j'aimerais pouvoir vous interviewer. Quand est la dernière victoire que tu as remportée? Dis-moi un peu. Est-ce que c'était il y a 3 ans? Alors, ça m'inquiète un peu. Et je suis sûr que même peut-être vont me raconter leurs défaites. Ben, il n'y a pas de problème d'essuyer des défaites. Mais tout dépend encore comment on prend ça. Il y a de la place pour chuter, il y a de la place pour faire des bêtises, il y a de la place pour tout ça. Ce n'est pas un problème du tout. Mais le Seigneur nous dit, ben, au moins, apprends dans ta bêtise. Mais la mauvaise attitude, c'est de se lamenter. Et attention de cette attitude où on se lamente. Je crie, mais le Seigneur ne répond pas. Je suis toujours, vous savez, on se lamente. Mais où est ta foi? Où est ta foi? Où est ton cœur? Où est-ce qu'on arriverait presque à faire Dieu menteur? Ben, le Seigneur parle, mais il ne se passe rien dans ma vie. Ou de quel côté est le tort, à votre avis, hein? De son côté à lui ou d'une autre? Attention à nos attitudes. Attention à notre incrédulité. Et souvent, il y a lieu de se repentir. Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas un gramme de foi. Parce que la foi est un cadeau aussi. Vous ne pouvez pas fabriquer ça. Mais si vous vous humiliez, tout de suite, le Seigneur va vous donner de la foi. Et vous remporterez des victoires. Victoire après victoire. Ça doit être notre parcours. La vie chrétienne, c'est le 110 mètres haies. Vous connaissez le 110 mètres haies? On saute et on saute. Ben, les Jeux Olympiques arrivent, c'est le moment de savoir ce que c'est que le 110 mètres haies. Parce que vous allez voir ça. Ben, là aussi, souvenez-vous de l'athlète qui fait le 110 mètres. Ben, c'est la course chrétienne. Et s'il chute, quelquefois, il tape dans une barrière, la barrière tombe, quelquefois lui-même tombe, ben, on se relève, on reprend et on continue. Hein, avec le Seigneur, on peut toujours se relever.
mais il faut de la foi pour accueillir ce que Dieu dit, parce qu'il ne se trompe pas. Ce qu'il a pour toi, c'est ce qui est bon pour toi. Et ce qu'il a pour l'autre, ne l'envie pas parce que ce n'est pas pour toi. À chacun son problème, chacun son chemin, chacun... Bon. Chacun son problème. En recevant la parole de Dieu, vous l'avez reçue comme, non comme la parole des hommes, mais comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Voilà, voilà la clé. On quitte les Thessaloniciens. 1 Corinthiens 15, verset 1. Un petit avertissement ici. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Ben, je crois que le Seigneur pourrait nous dire ça aujourd'hui. Hein. On l'a reçu, on a persévéré dedans, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc il y a des termes, il y a une manière dans laquelle le Seigneur a emmené l'évangile à nos cœurs. Et il l'a emmené à sa façon, qui n'est pas notre façon du tout. Hein. Nous aurions désiré peut-être la puissance, la musique, la guérison, les miracles, enfin, peut-être qu'on aurait désiré tout ça, non ? Mais le Seigneur nous a emmené l'évangile à sa façon. Et nous à sa façon, c'est la croix. Renonce à toi-même, charge-toi ta croix tous les jours et suis-moi. Et maintenant, on comprend que le chemin que Jésus a passé, c'est le mien aussi et je dois passer par le même chemin. Et de même qu'il a été humilié, moi aussi je suis prêt à être humilié. De même qu'il a souffert, je suis prêt à souffrir aussi. De même qu'il est mort, moi aussi je suis prêt à mourir tous les jours. Et je ressusciterai, et mon espérance c'est la résurrection. Et justement, 1 Corinthiens 15, on ne va pas lire, mais comme par hasard, c'est le chapitre où il est question de la résurrection. Lisez ça chez vous, ça fait tellement du bien, de voir la vie de résurrection que le Seigneur a préparée pour nous. Mais il nous avertit, retenez l'évangile dans les termes où vous l'avez reçu. Vous savez, souvent, quand ça devient dur, on va chercher autre chose. On ne le dit pas, mais cet évangile, quand on commence à dire cet évangile, c'est que ce n'est plus mon évangile. Mais quand c'est mon évangile, on dit l'évangile, c'est tout. Hein. Et de toute façon, il y en a un seul. Et vous remarquerez qu'au temps des Actes, l'ennemi était tellement pris par surprise qu'il n'avait pas eu le temps de s'organiser et d'emmener des fausses doctrines. Et c'est pour ça que les chrétiens buvaient un évangile qui était pur. Mais nous, au contraire, aujourd'hui, il y a une foule de fausses doctrines parce que l'ennemi a eu le temps de s'organiser cette fois-là et de nous présenter du faux, du fake, du déceptif. Il a eu le temps. Mais attention à ce qu'on va boire et attention à retenir l'évangile dans les termes où il nous a été annoncé. Moi, je me souviendrai toujours comment nous avons reçu l'évangile autrefois à Chaville il y a 30 ans. C'était la croix et rien d'autre. Mais il y avait une joie dedans aussi. Vous savez, dans la croix, il y a une joie parce que dans la croix, il y a la provision. Dans le chemin du Seigneur, il y a la provision. Et la provision, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'espérance. Mais si vous allez chercher un chemin de traverse, vous serez vite. Peut-être que dans un premier temps, vous allez respirer un peu mieux, mais après, c'est la déception, après, c'est l'amertume, et puis après, c'est le péché qui va revenir dans votre vie immanquablement. Parce que mon ennemi, c'est pas le diable qui a été vaincu, mais mon ennemi, c'est mon caractère, c'est mon seul caractère, c'est ma chair, c'est la volonté de l'homme. Le pire obstacle à la parole de Dieu, c'est la volonté de l'homme. Le Seigneur peut faire ce qu'il veut dans le cosmos, dans la création. Il dit et les choses se font. Mais l'homme, là, qui est tout petit, s'il a décidé de dire non et de ne pas vouloir, eh bien, rien ne se fait. C'est terrible quand même. Ne soyons pas de ceux qui résistent, mais soyons au contraire de ceux qui sont ouverts, qui ont de la foi pour accueillir et dire, Seigneur, j'aime pas ça. C'est dur, mais c'est ta volonté et c'est bon pour moi. Et vous allez voir comment vous serez bien, comment vous grandirez. Et autant il y aura eu de mort, autant il y aura après de résurrection. Et ce chapitre 15, là, c'est merveilleux parce qu'il est question de la résurrection. La parole, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une puissance. Et si cette puissance-là ne transforme pas ma vie, les torts ne sont pas de son côté, mais du mien. Donc ce matin, on va s'humilier encore
et on va dire, Seigneur, je veux considérer ce que tu mets devant moi. Je veux considérer ta parole. Je veux qu'elle puisse faire... Ben, il est écrit, hein, ma parole ne retourne pas à moi, ne retourne jamais à moi sans avoir accompli ses effets. Ben, qu'il en soit ainsi pour nous et que chaque fois qu'elle vient, elle accomplisse son travail en moi, qu'elle me change complètement, qu'elle me bouscule, qu'elle me renverse, qu'elle remplisse mon bateau, même dans une tempête. Et il y a des moments où on est tellement bousculé qu'on n'a plus ni foi, ni prière, ni rien du tout. Ne vous inquiétez pas, Jésus est toujours là. Il a besoin de souvent de renverser nos sécurités naturelles qui sont notre intelligence, notre connaissance, notre caractère humain où je gère là. Mais c'est toi qui gères. Mais à un moment, il faut arriver à lâcher prise. Et il y a cette petite description aussi dans le prophète Ézéchiel d'un homme qui met les pieds dans l'eau, dans le torrent, et puis il a de l'eau jusqu'aux genoux, et puis il a de l'eau jusqu'à la taille. Et à un moment, il est emporté par le flot de la vie de l'esprit. Ben, nous aussi, il faut qu'on arrive à un moment où on perd pied. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus rien. Qu'on ressent que là, je ne maîtrise plus ma vie. Et c'est le meilleur moment pour dire, ben, Seigneur, là, c'est toi qui gères. Et peut-être je n'ai plus aucune emprise sur mes enfants parce qu'ils sont devenus grands. Ben, maintenant, je peux me fier à une seule chose. C'est les bonnes choses que j'ai investies quand il en a été encore temps. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui gères. Et sois tranquille, ce que tu as semé, ça va germer. On doit arriver à perdre pied, comme cet homme qui marche dans l'eau. De plus, le Seigneur va nous emmener dans des eaux profondes. On n'aura plus aucun contrôle de nous-mêmes. On va se retrouver, je ne sais pas dans quelle situation de la vie. Et c'est là que ce sera vraiment le test. Mais on est trop encore au contrôle de nos vies. On aime bien ressentir qu'on gère, qu'on contrôle, qu'on fait, que là, ça ne nous échappe pas. Et quand ça commence à nous échapper, c'est la panique. Ah, Seigneur, c'est la panique. Et là, on s'énerve. Mais reconnaissons que ben, on a encore peu de foi. Et là, c'était la noyade qui était en question hein, pour les marins pêcheurs là, quand ils partaient en mer avec Jésus. La perspective, c'était de se noyer. Donc, c'était bien réel. Mais on a besoin de grandir, mes frères et sœurs. Accueillons la parole comme la puissance de Dieu qui est là pour transformer nos vies. Vous êtes prêts? Alors, on va remercier Jésus. On va le bénir pour ce cadeau qu'il nous a fait. Seigneur, nous te bénissons ce matin encore de nous avoir envoyé cette parole puissante pour nous engendrer selon ta volonté, pour nous engendrer selon l'esprit de l'Évangile. Et ce matin encore, Jésus, nous voulons nous ouvrir. Nous voulons reconnaître que, oui, nous avons un peu de foi, mais que cette foi grandisse. Emmène-nous, Seigneur, parce que tu es celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et nous voulons grandir aussi dans la foi. Nous voulons renoncer à nous-mêmes, nous charger chaque jour de notre croix et te suivre dans tes traces. Là où tu as souffert, là où tu as été humilié, là où tu as été insulté, opposé, mais tu as serré les dents, tu as persévéré parce que tu avais en vue la rémunération, la résurrection. Et nous aussi, nous voulons garder cette perspective qui est le jour glorieux où tu viendras nous ressusciter tous ensemble. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Je bénis mon Dieu chaque jour, chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes, de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours,
je le bénis, mon Dieu, chaque jour, chaque jour, j'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes, de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient. Tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide survient au bon moment. Mon aide qui survient au bon moment. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, c'est un temps pour s'examiner nous-mêmes encore une fois et voir si nous sommes dans la foi. Est-ce que je suis dans la foi ce matin ou est-ce que je suis dans les raisonnements, dans les doutes, dans les critiques? Le Seigneur nous permet d'examiner nos cœurs ce matin. Et il y a une seule chose à faire, c'est de venir devant Jésus avec humilité de cœur et lui dire, Seigneur, pardonne-moi car j'ai raisonné peut-être. Pardonne-moi car j'ai questionné, peut-être pas douté, mais questionné. Ben, il y a lieu de se repentir ce matin parce que la parole de Dieu est vérité. Elle est celle qui ne vient jamais en retard, mais qui vient toujours au bon moment. Et ce matin, nous voulons nous incliner profondément devant Jésus qui est lui-même la parole, qui est le Logos, qui est celui par qui tout a été créé, et moi aussi. Seigneur, merci pour ta parole qui est venue encore vers nous ce matin. Nous voulons nous humilier et nous faire tout petits pour chaque fois où nous avons questionné, où nous nous sommes lamentés sur nous-mêmes, sur nos échecs, sur ce qui nous paraît un échec. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Et fais de nous des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de l'esprit, qui acceptent de souffrir, qui persévèrent quand c'est dur, qui ne questionnent pas quand la réponse tarde, car tu n'es jamais en avance ni en retard, mais tu arrives toujours au bon moment. Tu sais ce que tu veux faire dans la vie de chacun d'entre nous, mais tu veux trouver une foi ce matin dans notre cœur. Mes frères et sœurs, ce matin, si vous êtes de ceux qui ont questionné ou qui se sont lamentés, ça peut arriver. Levez juste votre main ce matin. Personne ne vous regarde, personne ne regarde à droite et à gauche. Mais Jésus est là qui veut vous faire grâce, qui veut vous emmener plus loin, et qui veut vous pardonner, vous relever, et durant la semaine qui vient, vous direz au Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus de ces attitudes, de ces questions, de ces réserves, mais je veux obéir à ta parole, obéir avec mon cœur, un cœur de foi, un cœur qui reconnaît que tu as le droit de me faire passer par des chemins. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, pour ces mains levées ce matin. Merci de faire grâce, merci d'aider à redresser les attitudes, à redresser les cœurs, afin que nous tous, Seigneur, nous ayons un cœur qui t'est agréable et dans lequel tu peux œuvrer sans résistance, sans réticence. Trouve en nous un cœur bien disposé, un cœur grand ouvert, un cœur qui est prêt à tout. Seigneur, merci de nous faire grâce ce matin.
Alors que cette table est devant nous encore une fois, nous voulons nous humilier et reconnaître que ton corps a été brisé pour nos iniquités, que ton sang a coulé pour nous et que tu t'es chargé de nos iniquités à notre place. Merci Jésus. Et nous aussi, devant ce repas, nous voulons plus que jamais prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes, nous identifier à toi dans ta mort et ta résurrection. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car tu as les paroles de la vie éternelle, pain venu du ciel, de toi mon cœur sera rassasié, inonde mon être de ta plénitude, que ma vie tout entière se soumette à ta volonté. Instruis-moi, ô Seigneur, dans ta sainte crainte, que mon cœur s'incline dans ta vérité. Enseigne-moi tes voies pendant qu'il est temps, pour que je contemple ta gloire et ta puissance. Car tu as les paroles de la vie éternelle, parvenue du ciel, de toi mon cœur sera rassasié et inonde être de ta plénitude, que ma vie tout entière se soumette à ta volonté. Car tu as paroles de la vie éternelle, bienvenue du ciel, de toi mon cœur sera saisi. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, si nous sommes nés de nouveau, et si nous sommes baptisés, et si notre cœur est pur, pouvons prendre ce repas, ce pain et cette coupe, et elle sera une coupe de bénédiction pour nous. Par contre, les enfants qui ne sont pas encore nés de nouveau, il est bon qu'ils attendent, hein, parce qu'il faut savoir ce que l'on fait. Seigneur, nous te remercions pour ce pain, nous te remercions pour cette coupe. Nous voulons nous aussi boire cette coupe, Seigneur, jusqu'au bout, parce que c'est le chemin que tu as préparé pour nous. Prenons le pain et la coupe, mes frères et sœurs. Alléluia. Ben, je crois qu'on peut se réjouir, non? Il y a tout ce qu'il faut pour se réjouir.
une parole de grâce assaisonnée de sel. Il faut un peu de sel pour nous secouer, hein? Mais c'est une parole de grâce et de joie qui vient vers nous ce matin. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. J'élève mes mains. J'élève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Du Seigneur. Du Seigneur. Alléluia.